c'est à quelques centaines de mètres de Brion, le bras de décharge. Le quoi ? Le bras de décharge qui sert à décharger la rivière Oignin en cas de crue. Samuel, comment ça marche exactement ? Donc un bras de décharge, pour faire simple, c'est une seconde rivière qu'on a créée pour contourner le village de Brion. Et donc quand les eaux montent fortement, une partie des eaux continue dans la rivière naturelle et une autre partie des eaux se déverse dans ce bras de décharge, contourne Brion et donc sont éloignées des habitations. Donc toute cette eau qui passe dans ce bras de décharge, c'est autant d'eau qu'il n'y aura pas dans les maisons, les usines, des choses comme ça. D'accord, donc on ne risque rien ici. Mais on dirait qu'il n'y a pas que de l'eau dans ce bras. Suite à sa mise en place, il y a tellement d'eau dans le sol qu'il y a une véritable zone humide en fait qui s'est mise en place. Au début, on pensait qu'on allait voir un bras de décharge avec un peu d'herbe et c'est tout, juste pour évacuer l'eau. Finalement, on peut le voir, on a des roseaux, on a une faune particulière qui s'est mise en place. Donc on a, on va dire, deux objectifs qui sont atteints, un objectif environnemental, biodiversité, et un objectif protéger Brion des inondations. Ah, bien vu! Mais pour en savoir plus, sachez qu'un sentier d'interprétation a même été installé tout au long du site. Allez, on quitte le bras pour voir une autre particularité du village. Là, on est sur la commune de Brion et je me trouve juste devant le pont au-dessous duquel passe la rivière, le bras du lac. Donc, c'est la rivière par laquelle s'écoulent les eaux du lac de Nantua. Nantua est en amont d'où on se trouve. Donc, il y a le terme de pont doux pour leur architecture. Il y a eu un deuxième pont qui a été fait, celui qu'on peut voir sur le bras du lac. C'est lié à des travaux donc début 19e siècle. Des travaux ont été faits pour évacuer les eaux du lac de Nantua, donc on a créé entre guillemets une rivière, ce bras du lac, et donc il fallait bien que les gens de Brion puissent passer. Donc on a créé un deuxième pont sur le bras du lac pour que les gens puissent continuer à circuler et pas être bloqués par cette nouvelle rivière entre guillemets. Malin, c'est sûr, entre bras de décharge et pont double, Brion a su dompter ses rivières pour mieux en profiter.